Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Dieu qui a traité alliance avec mon Père, le Dieu de l'apôtre Joël Kamba, manifeste sa gloire, sa puissance et sa grâce dans votre vie et dans votre destinée. Prière avec RMK. Œil pour œil. Et dent pour dent. Oui, vous avez bien entendu, bien aimé dans le Seigneur, œil pour œil et dent pour dent. Une prière exceptionnelle, une prière puissante de moments exceptionnels que nous voulons passer dans la présence et dans la puissance de Dieu. Vous allez vivre le Dieu de œil pour œil et de dent pour dent. Bien-aimé dans le Seigneur, nous vous recommandons de rechercher sur YouTube œil pour œil et dent pour dent, prière révolutionnaire. Et vous verrez des enseignements puissants où nous avons expliqué ces thèmes exceptionnels et que nous voulons nous mettre en prière. Et il y a des orientations spécifiques suite à ce puissant programme de prière, de œil pour œil et dent pour dent. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu créateur, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, le Dieu de la prière révolutionnaire est un Dieu de la justice. Lorsque nous parlons de la justice, cela veut dire que Dieu ne laissera pas impuni un acte qui a été fait contre vous. Lorsque nous sommes en train de parler de la justice de Dieu, cela veut dire que Dieu se charge de toutes choses. La Bible est en train de nous parler. À moi la vengeance et à moi la rétribution. Parce que Dieu est un Dieu de justice, est un Dieu qui se venge. Deutéronome, le chapitre 32, le verset 35, la Bible déclare « À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. » Car le jour de leur malheur est proche. Ce qui les attend ne tardera pas. La Bible est en train de dire encore, dans Jérémie le chapitre 51, le 56e verset. Oui, les dévastateurs font sur elle, sur Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris. Leurs arcs sont brisés, car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres. Je répète encore, car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paye à chacun selon son salaire. Je répète encore, car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paye à chacun selon son salaire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la justice de Dieu, de sorte que Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Dieu est celui qui paye à chacun selon son salaire. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez vécu beaucoup d'injustices dans votre vie, beaucoup d'attaques, beaucoup de dommages dans votre destinée que le diable a créé. Vous avez vécu de pertes humaines, des morts qui ont été occasionnées par les démons, par le prêtre maléfique, par le sorcier. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette prière
que nous allons faire appel au Dieu de la vengeance. Au Dieu de la vengeance. Au Dieu de la vengeance. La Bible déclare encore dans Nahum le chapitre 1er, le 2e verset, l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Est-ce que quelqu'un a lu cela avec moi? L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Dieu de vengeance. Éternel Dieu de vengeance. Bien-aimé dans le Seigneur. Exceptionnel et c'est puissant, car Dieu est juste. Combien de fois vous avez vécu dans la honte? Combien de fois le diable s'est joué de votre vie? Combien de fois le prêtre maléfique a déclaré de paroles sur vous, a occasionné certaines pertes dans votre vie? La perte de votre travail, la perte de la paix dans le couple, la perte dans les finances, la perte d'un enfant que vous avez perdu suite à la sorcellerie. Dieu est le Dieu de vengeance et il nous dit que nous ne devons pas nous venger, mais que nous puissions le laisser la vengeance. Et dans cette prière puissante, bien-aimée dans le Seigneur, nous allons faire appel au Dieu de la vengeance, le Dieu de vengeance, œil pour œil et dent pour dent. Alors que vos ennemis qui ont endommagé votre vie, ils sont dans le calme, vous êtes dans le pleur. Vos ennemis sont dans la joie et vous êtes dans la tristesse. Vos ennemis sont en train de vivre, mais vous êtes en train de commander, bien-aimés dans le Seigneur, œil pour œil et dent pour dent, que sur leur tête retombe l'iniquité de leurs lèvres. Personne, bien-aimé dans le Seigneur, ne sortira indemne. Toute personne, tout démon qui a occasionné quelconque situation dans votre vie doit payer pour cela. Un révolutionnaire est ensemble avec moi. Veuillez écrire au ministère en privé pour recevoir les orientations de ce programme exceptionnel de prière, qui est un programme de 14 jours de prière. Et veuillez nous écrire en privé pour vous indiquer comment nous allons procéder, car il y a des heures spécifiques que nous devons nous mettre en prière pour ce genre de situation. Le Dieu de vengeance, un puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter ensemble avec moi, Père éternel, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Vous pouvez déclarer après moi, il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. En puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira
par ce chemin, Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Vous pouvez encore répéter avec force après moi, en Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez répéter après moi. Éternel Dieu de vengeance. Éternel Dieu de vengeance. Éternel Dieu de vengeance. Lève-toi au nom de Jésus. Oppose-toi à ceux qui s'opposent à moi. Éternel Dieu de vengeance. Combat ceux qui me combattent. Éternel Dieu de vengeance. Vous pouvez répéter après moi. Oppose-toi à ceux qui s'opposent à moi, à ceux qui s'opposent à ma famille, à ceux qui s'opposent à mes enfants. Et combat ceux qui me combattent. Prends ton bouclier et ton armure et viens à mon secours. Prends ton bouclier et ton armure et viens à mon secours. Lève-toi, éternel Dieu de vengeance, et lance les javelots et fais la guerre à ceux qui me poursuivent. Fais la guerre à ceux qui poursuivent ma santé. Fais la guerre à ceux qui poursuivent mes finances. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tous ceux qui veulent ma mort, qu'ils soient vaincus et déshonorés. Vous pouvez répéter avec moi, avec force. Que tous ceux qui veulent ma mort, qu'ils soient vaincus maintenant et qu'ils soient déshonorés. Qu'ils soient vaincus et qu'ils soient déshonorés. Que tous ceux qui complotent contre moi soient détournés et confus. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'ils soient comme de la paille soufflée par les vents, alors que l'ange de l'Éternel de vengeance le poursuive. Que l'ange de l'Éternel de vengeance le poursuive. Que leur chemin soit sombre, ténébreux et glissant, alors que l'ange de l'Éternel de vengeance le frappe. Au nom de Jésus, Éternel Dieu de vengeance, sans aucune raison, ils ont tendu un piège et ont creusé un trou profond pour m'attraper. Mais la destruction les attrapera avant qu'ils ne le sachent. Vous pouvez déclarer avec force cette déclaration exceptionnelle. Alors que vous êtes en train de déclarer cela, il y a deux choses qui sont en train de se faire dans le monde spirituel, dans le combat spirituel. Au nom de Jésus-Christ, sans aucune raison, ils ont tendu un piège et ont creusé un trou profond pour m'attraper, pour attraper mes enfants, pour attraper mes miracles. Mais la destruction le frappera avant qu'il ne le sache. À l'improviste, la destruction le frappera. Ils seront pris dans leur propre piège et tomberont dans leur destruction. Vous pouvez répéter après moi. Alors, je me réjouirai à cause du Seigneur. Je serai heureux et heureuse parce que tu m'as sauvé. De tout mon cœur, je dirai au Seigneur,
il n'y a personne comme toi. Tu protèges le faible du fort, le pauvre de l'oppresseur. Bien-aimé dans le Seigneur, les méchants qui sont en train de témoigner contre vous, tout le jour, dans le tribunal des nuits, le méchant qui témoigne contre vous, qui témoigne et qui vous accuse de crimes dont vous ne savez rien, de crimes dont vous ne savez absolument rien. Ils vous tendent de pièges pour que vous puissiez tomber et que vous puissiez dormir dans le sommeil éternel. C'est ainsi que le Dieu de vengeance est appelé en ce moment, au nom de Jésus-Christ, pouvait déclarer après moi. Dieu de vengeance, lève-toi maintenant dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Étends ta main de vengeance sur ceux qui m'accusent nuit et jour. La Bible est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le diable est un accusateur. Il est celui qui accuse nuit et jour. C'est ainsi que nous levons nos voix vers le Dieu de vengeance. Étends tes mains de vengeance sur ceux qui courent après ma vie et exécutent ta grande vengeance et ton jugement sur eux, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi. Père, détruis toute main et toute voix maléfique luttant contre ma destinée glorieuse, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le Dieu des vengeances prend en charge toute la bataille de ma vie. Vous pouvez encore répéter avec force après moi. Le Dieu des vengeances, l'Éternel des armées, prend en charge toute la bataille de ma vie et donne-moi la victoire totale sur tous ceux qui me combattent. Vous pouvez encore le dire avec force et détermination. Prends en charge toute la bataille de ma vie et donne-moi la victoire totale sur tous ceux qui me combattent. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Éternel, le Dieu de vengeance, libère tes flèches de mort contre tous ceux qui courent après ma vie. Je décrète maintenant que toutes les activités de méchants leur soient rendues en 10 fois, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, avec force et détermination. Vous pouvez encore le déclarer. Je décrète que toutes les activités de prêtres maléfiques de ma famille leur soient rendues en 10 fois, au nom de Jésus. Libère ton feu de vengeance sur tous ceux qui me combattent et envoie tes flèches de destruction sur eux, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu de vengeance, que tout pouvoir assigné contre mon excellence, contre mon bien-être, contre mon élévation, meurt par le flèche de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez encore déclarer après moi, le Dieu des vengeances, ô Dieu des vengeances, ô Dieu des vengeances, le Dieu de la rémunération, libère ton grand feu sur chaque assemblement maléfique et des complots organisés par le diable pour me détruire, pour détruire ma famille, pour détruire mes affaires, pour détruire mes entreprises, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer après moi que tous les membres maléfiques de ma famille qui font des efforts supplémentaires pour détruire ma destinée, pour détruire mon mariage,
pour détruire mon corps, pour détruire ma santé, pour détruire mon avenir, l'avenir de mes enfants. Ô Dieu des vengeances, lève-toi à cause de moi et combat mes batailles, et combat mes batailles. Dieu des vengeances, venge-moi. Vous pouvez encore les répéter avec force. Dieu des vengeances, venge-moi maintenant. Je plaide ta vengeance éternelle. Je plaide ta vengeance, Dieu des vengeances. Jusqu'à quand laisseras-tu impuni le méchant? Jusqu'à quand laisseras-tu impuni le méchant? Le Dieu des vengeances, du haut de ton trône, venge-moi, le Dieu des vengeances, disperse le plan diabolique de chaque personne maléfique dans ma vie. Le Dieu des vengeances, venge-moi, lève-toi et confonds le projet de mes ennemis. Le Dieu de œil pour œil et de dent pour dent, que sur la tête de mes persécuteurs retombe l'iniquité de leurs lèvres, que sur leur tête retombe le salaire de leurs lèvres, que sur la tête de mes persécuteurs qu'ils reçoivent la rémunération, le salaire de tout le mal qu'ils m'ont fait, qu'il le soit rémunéré de tout le mal qu'ils m'ont fait, qu'ils ont fait à ma famille. Ô Dieu de la justice, je fais recours à la justice céleste, afin que tu tranches dans cette affaire. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez une affaire dans la justice. Vous pouvez être connecté à cette prière aussi, en répétant après moi. Tranche cette affaire, je fais recours maintenant à la justice céleste, afin que cette affaire soit tranchée, que tout ce qui me maudit soit maudit par l'Éternel des armées, que tout ce qui se lève contre moi, que l'Éternel des armées se lève contre eux, que tout ce qui me bénisse soit béni par l'Éternel des armées, mais tout ce qui me maudisse soit maintenant maudit par l'Éternel des armées. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout ce qui attendent de voir ma chute seront les premières personnes qui seront détruites par la chute. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, le Dieu des vengeances, je renvoie maintenant par le feu de œil pour œil et de dent pour dent le mal que mes adversaires ont fait dans ma vie, les dommages qu'ils ont causés dans ma santé, bien-aimé dans le Seigneur, les dommages que le diable a causés dans votre vie. La Bible est en train de dire que je vous redonnerai les années que le sauterelle a dévoré, le mal que le diable a fait dans votre santé. Vous n'arrivez plus à bien dormir, vous n'arrivez plus à manger tout ce que vous voulez parce que vous avez de prescriptions médicales, tout le temps de prescription médicale. Vous n'arrivez plus à arriver dans un niveau financier où vous étiez bien avant parce que le diable a limité, le prêtre maléfique a limité. C'est ainsi que maintenant que sur leur tête retombe ces dommages, toute parole de malédiction qu'ils ont prononcée sur vous, que cela retombe sur eux maintenant, qu'ils soient frappés par la même maladie, qu'ils soient frappés et maudits par l'Éternel des armées. Vous pouvez répéter après moi, ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout le mal, œil pour œil et dent pour dent, 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 ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez encore répéter après moi, le Dieu de œil pour œil et de dent pour dent, la vengeance divine
la justice de Dieu dans ma vie et dans ma destinée. Au nom de Jésus, tout celui qui essaiera de se lever sera frappé par le même dommage de sa propre bouche. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je suis couvert par le Dieu de vengeance, le Dieu de œil pour œil et dent pour dent. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce programme est un programme de 14 jours. Veuillez nous écrire en privé et nous vous enverrons les orientations de ce programme de œil pour œil et dent pour dent. Un programme exceptionnel où le Dieu de vengeance s'élève pour confondre, enfin maintenant, de rémunérer vos adversaires. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure de la rémunération vient de sonner. Tous ceux qui font du mal, ils doivent savoir ce que ça fait de ne pas dormir la nuit. Ils doivent savoir ce que ça fait d'avoir des douleurs d'estomac. Ils doivent savoir ce que ça fait de recevoir une perte dans le domaine financier. Ils doivent savoir cela, car c'est le moment de la rémunération et que l'Éternel de vengeance, de œil pour œil et dent pour dent, rémunère et donne à chacun de vos adversaires le salaire qui leur est dû. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, c'était votre frère et accompagnateur spirituel, RMK Komba. Veuillez entrer avec le ministère en privé pour des orientations spéciales pour ce programme. Au nom de Jésus, shalom chez vous.